Bonjour à tous, depuis le début de la vidéo, vous me voyez refaire, repréparer mes murs de French Clit. J'ai envie de dire, rien de neuf sur la planète Terre, c'est du vu, c'est du revu. Pour autant, j'ai eu envie d'y apporter mon petit grain de sel. Je vous explique ma problématique. Je voulais mettre au mur un système qui me permet de reprendre tous mes outils. Le French Clit, il a l'avantage d'être fait pour être modulable, pour s'adapter à nos outils. Si on avait tous nos outils à l'entrée dans un atelier, on aurait juste à tout préparer, ça serait extrêmement simple, sauf qu'il y en a souvent un qui vient se rajouter et du coup, ça met le bazar. Un élément comme celui-ci, il vient avec un kit de ciseaux à bois, il est parfait, mais si je veux ajouter un nouveau ciseau dans la même marque, eh ben, ça ne va pas fonctionner parce que j'ai plus la place. Et du coup, on se rend compte qu'on a conçu un système, le support qui est un système modulable, mais on se retrouve avec un nouveau ciseau à bois qui est accroché à côté. Et dès qu'on a des supports individuels, une fois sur deux, ça reste accroché, ou alors ça tombe, ça bouge, ça s'en va, c'est pas pratique. Donc, on a un système qui, d'un côté, se veut polyvalent, se veut, on va dire, modulable. Et quand on a vraiment besoin de modularité et qu'on ajoute des petits éléments, eh ben ça merdouille, ça ne fonctionne pas, c'est pas aussi pratique. Du coup, ça fait quelques jours que je gribouille, que je dessine des systèmes plus ou moins complexes, même un avec un système de verrouillage qui nous permettrait de venir nous glisser entre deux lattes, des systèmes de verrouillage. Et j'en suis arrivé à la conclusion que un système de French Clit décalé avec un léger espace à l'arrière allait avoir l'avantage. Un, je n'ai fait que quelques trous pour fixer mes panneaux. Ces panneaux-là, si j'ai envie de me débrouiller, de mettre une armoire, je les prends, je les remets là-bas et je ne me retrouve pas avec des lignes de trous de vis partout dans mon lambris. Donc ça, c'est un premier avantage. Et un deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir glisser un système de frein derrière. Je pars aujourd'hui sur un système de French Clit qui va avoir un petit verrou sur l'arrière. Et donc, j'ai besoin que mes barres coupées à 45 ne soient pas plaquées contre le mur. Et j'ai fait un premier prototype. Il est dans mes mains ici. La barre, le support de plat, la partie découpée à 45 et puis ma lamelle souple à l'arrière. Lamelle souple sur laquelle j'avais l'intention de venir poser ici un petit tourillon dans ce sens-là qui viendrait se glisser dans une gorge. Et à mi-chemin sur ma réalisation de prototype, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'aller plus loin au final. Je me retrouve ici avec un système qui va avoir suffisamment de freins. Il suffira de doser deux épaisseurs de bois, un frottement qui vient se mettre en place ici. Et ce frottement, eh ben, je le rentre, il est mis en place et il ne va pas bouger. Il va pouvoir se verrouiller sans être trop difficile à mettre en place. Je vais donc pouvoir conserver la modularité d'accroche individuelle. J'ai conservé quelque chose, un système qui est compatible avec tous mes anciens supports. Je n'avais pas envie de refaire les supports. C'est extrêmement long, c'est pas très drôle à faire. Il faut s'adapter à la forme de chaque outil. Donc, j'ai un système qui correspond parfaitement à ce dont j'avais envie. Je vous montre également ce que je vais faire ici sur le panneau qui va me servir pour accrocher les montages d'usinage pour la défonceuse. Ici, on va avoir un coin un peu plus électroportatif. Ça sera pour moi le mot de la fin. Si mon idée vous inspire, eh ben, ça me fait plaisir. Copiez-la, transformez-la. Racontez-moi dans les commentaires ce que vous avez fait pour pallier à cette difficulté. Et puis pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.